Nous recevons à présent Henri Conan-Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci d'être notre invité sur le Journal Afrique. Merci. Alors avant de parler de la situation en Côte d'Ivoire, j'aimerais vous faire réagir, s'il vous plaît, à l'affaire Bourgi. Vous étiez président en 1995 lorsque le président Chirac est arrivé au pouvoir. Est-ce que vous avez été sollicité par lui? Je dois dire sincèrement que je n'ai pas été sollicité. Je disais qu'en 1995, la Côte d'Ivoire était placée sous un ajustement structurel très sévère et que ce pays n'avait pas les ressources nécessaires pour les distraire à l'extérieur. Très bien, alors on va revenir à la situation en Côte d'Ivoire. Il y a des élections qui doivent se tenir au plus tard le 15 décembre. Est-ce que le pays est prêt à aller voter sereinement? Le pays se prépare à aller voter sereinement. Ces élections auront lieu le 11 décembre pour le premier tour et le deuxième tour vers le 18. La situation sécuritaire du pays reste compliquée. Est-ce que les pro-Gbagbo vont pouvoir faire campagne et se présenter? S'ils décident d'y aller, ils pourront faire campagne comme tous les autres candidats. Bien sûr, il y a encore des poches d'insécurité dans le pays, mais cela n'empêchera pas les élections de se tenir dans la sérénité et dans la paix. Vous êtes donc serein, je veux dire. Alors, vous avez soutenu Alassane Ouattara durant la campagne électorale contre Laurent Gbagbo. Vous avez réclamé en échange le poste de Premier ministre pour votre parti. Le deal n'a pas été respecté. Est-ce que vous êtes déçu? Non. Nous avons soutenu, et c'est vrai, le candidat Alassane Ouattara au second tour, et c'est grâce à ce soutien qu'il a pu passer. Il a promis de nommer le Premier ministre au sein du PDCI, mais nous avons encore des problèmes de sécurité. Il y a encore des poches d'insécurité, et comme c'est le Premier ministre Soro Guillaume qui est à la tête des forces nouvelles à libérer le pays, et compte tenu du fait qu'il y a encore des poches d'insécurité, nous avons à la salle de moi décidé qu'il continue pour le moment. Alors justement, les forces nouvelles appellent à une liste unifiée pour les prochaines élections. Est-ce que c'est une proposition qui vous séduit? Qu'allez-vous répondre à cela? Non, je crois qu'il y a pour ces élections une grande formation politique qui est le Rassemblement des Fouettistes pour la paix. RHDP. Et c'est au sein de cette formation que nous procédons à des négociations, à des discussions pour arriver à une liste coordonnée. Et qu'allez-vous réclamer en échange justement de ce nouveau soutien? Est-ce qu'il y a des postes stratégiques que vous aimeriez obtenir pour votre camp? Non. Pour ce qui concerne les législatives, par définition, c'est une question élective. Donc c'est démocratique. Donc ce sera transparent. Par conséquent, nous attendons d'abord de voir le nombre d'élus du RHDP appartenant au RDR, appartenant au PDCI et appartenant aux autres formations du Rassemblement des Fouettistes pour la paix. On parlait précédemment de la situation sécuritaire. Le sort de Laurent Gbagbo reste incertain. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il ne puisse pas bénéficier d'un jugement, d'un procès en bonne et due forme? Mais tout est fait pour que Laurent Gbagbo bénéficie d'un procès équitable. Il est inculpé en Côte d'Ivoire pour des crimes économiques.
Mais la Cour pénale internationale a été invitée, elle s'y emploie, pour enquêter sur les crimes de sang et toutes les violations des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 3000 morts dans cette crise post-électorale. Et je pense que l'avenir de Laurent Gbagbo passe nécessairement par la décision de justice de la Cour pénale internationale. Henri Conan-Bédier, quelle est votre relation aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara, sachant que dans le passé, il y a eu des conflits concernant l'ivoirité, notamment? Nous nous sommes réconciliés depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes des partenaires. Et plus que des partenaires, nous sommes des alliés politiques. Par conséquent, mes relations avec Alassane Ouattara s'inscrivent dans un climat d'harmonie, de fraternité. Merci Henri Conan-Bédier d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du journal Afrique de TV5 Monde. C'est la fin de cette